J'aimerais vous parler encore du livre de Jean, au chapitre 1 et le verset 1, qui dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Il y a d'autres chrétiens qui disent qu'il n'est pas Dieu mais qu'il est le Fils de Dieu. Il y en a d'autres qui disent qu'il est Dieu, mais un petit Dieu. Mais le Père, dans la Bible, il dit qu'à côté de lui, il n'y a pas de petit Dieu. S'il n'y a pas de petit Dieu à côté du Père, c'est un grand Dieu, avec un beau grand dé. Mais pourquoi Jésus, dans le livre de Jean, est appelé Dieu C'est que Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Père a fait de Jésus Dieu, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, ont pas le pain qu'il l'a envoyé. Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament et c'est lui qui est apparu à Moïse sous le nom de je suis. Et il a parlé face à face avec Moïse. Moïse l'a vu de ses propres yeux. Il lui a même montré son dos. On ne peut pas voir le Père. Donc, c'était Jésus qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Yahweh qui a marché avec Abraham aux arbres de Mamré, c'était encore Jésus qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Mais il n'est pas le Père parce qu'on ne peut pas voir le Père. Jésus a dit le Père est plus grand que moi. C'est pour ça qu'il n'est pas le Père. Puis dans le livre de Jean, on a vu que c'est écrit que la parole était avec Dieu et que il y a deux personnes. Jésus qui est Dieu il est la première création de Dieu Dieu a créé beaucoup de fils mais il est le fils unique qui a été créé directement par Dieu c'est pour ça que c'est écrit dans Jean chapitre 3 et le verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique il est le Fils unique a été créé directement par Dieu. Toutes les autres fils ont été créés par l'entremise de Jésus et les choses visibles et invisibles. Si on prend Colossiens au chapitre 1 et le verset 15, est écrit, en parlant de Jésus, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute création. Il est la première création de Dieu. Si Jésus est appelé Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 1 et le verset 1, il est le Dieu de l'Ancien Testament. Je le répète, c'est lui qui est apparu à Moïse et c'est lui qui est apparu à Abraham. Mais, il n'est pas le Père. Parce qu'on ne peut pas voir le Père. Jésus a dit que Dieu est esprit. Personne n'a vu Dieu. Donc, c'était Jésus. Le Dieu de l'Ancien Testament. Merci de écouté.